une paire d'haltères et un tapis. Allez, on commence par une grande inspiration. On relâche, une seconde fois. On inspire, on relâche. Je vais mettre de profil. Pour amener les mains à la poitrine, vous inspirez. Dos rond, vous repoussez le mur devant vous, vous rentrez la tête, vous rentrez devant, vous serrez les fessiers, on bascule un peu le bassin. Encore une fois, main poitrine, inspire. Allez, dos rond, souffle. Lève les bras. Inspire, relâche. Ok, taille pincée. À droite, à gauche. Donc vous rentrez le ventre, vous êtes un peu fléchi au niveau des appuis. Souffle, inspire. 4, 3. Allez, petit à droite, on reste pour 4, 3. Changez, 4, 3. Changez, 4, 3. Changez. Et reste, serre bien les abdos. On alterne pour 8, 7, encore 4, 4, 3, 2, on ramène les mains à la poitrine, on inspire bien, dos rond, vous soufflez, lève les bras plat pour inspire, relâche, bras devant, rotation et tourne, tourne, souffle, inspire, allez, encore 8, 8, 7, encore 4, 4, 3, allez, sans bouger les hanches, petit, restez, 4, 3, changez, serrez toujours votre nombril et baissez vos épaules, changez, reste pour 4, 3, l'autre côté, 4, 3, vous ramenez les mains devant, inspire, dos rond, souffle, grandis plafond, inspirez, relâche, allez, c'est parti avec les haltères, donc on va faire exactement la même chose qu'à l'échauffement, allez, faire fléchis, gainez, et taille pincée, inspire, allez, tire, tire. Donc là, on reste dos bien tenu, on dégage bien le corps de tête, on rentre le ventre et la sensation, c'est d'aller presser les côtés, pincer la peau. Allez, encore, inspire, tire, tire, hop, hop. Allez, encore, 8, 7, pince, pince encore, 4, 3, petit 1, reste à droite pour 4, 3, on change, 4, 3, on change, on reste, 4, 3, on change, on reste, 4, 3, on va réduire, 2 temps de chaque, 1, 2, 1, 2, souffle, toujours par 2, 1, 2, 1, 2, encore, 1, 2, on alterne, allez, pince, pince, inspire encore. Donc surtout, vous n'allongez pas les jambes, hein, vous restez toujours un peu fléchi. 8, 7, encore, 4, 3, on reprend petit à droite pour 4, 3, 2, changez, 4, 3, 2, changez, restez, 4, 3, la même chose, 4, 3, allez, deux temps de chaque, on réduit. 1, 2, souffle. Encore. Allez, hop. On alterne, on va en faire 8, 7. Encore 4, 4, 3, 2. Revenez au milieu. On va joindre les poids. Bien fléchis, bien gainé. Et rotation. Inspire. Alors, quand vous tournez, vous ne tournez que le buste, les bras, la tête, mais pas du tout les hanches. Ça non, on fixe le bassin, donc le mouvement n'est pas si grand que ça finalement. Allez, sous d'un côté, inspire de l'autre. Si ça vous donne le tournis, le fait de tourner la tête à droite, à gauche, stabilisez. Mais par contre, le haut du corps, tout ce qui est épaule et forcément taille, on y va. Allez, tourne, tourne. Inspire. Essayez de vous grandir, attention à ne pas pousser hein, le dos, restez toujours très grand. Allez. En plus, ça ne brûle pas, mais faut venir, ça travaille. Allez, petit à droite pour 4, 3. On change, souffle, souffle. On change, on reste, 4, 3. Allez, serrez bien. On change, on reste, 4, 3. 2 de chaque et 1, 2. Encore, souffle, souffle. Allez, 1, 2 et 1, 2. Encore, hop. Allez, très bien. On alterne. Inspire, tourne, tourne, ha, ha. Encore 8, 8, 7, 4 encore, 4, 3,
On reprend petit à droite pour 4, 3. Changez. Allez, et là, on lâche pas un sous tout le nombril, on le rend. Changez, restez. 4, 3. Changez. Souffle, souffle. Deux temps de chaque et 1, 2. On change. Encore. La dernière, on alterne simplement. 8, 7. 4 derniers. 4, 3, 2. Retour au centre. Placez les deux poids dans la main droite. Si c'est trop lourd, vous n'en gardez qu'un. Pliez bien, gainez bien, pince l'entaille à gauche. Donc vous ramenez la charge au niveau de la taille. Visez le genou opposé. Surtout, ne dévissez pas les hanches. Restez bien, bien fixé au sol, bien ancré. Un peu de flexion. Allez, on se penche sur le côté, mais on ne se voûte pas. On reste bien solide. Allez, trois petits. On reste. 3, 2 et reviens. Allez. Pince la taille, pince, pince, reviens. Souffle, souffle. Encore, 3, 2. On va continuer sur 3 petits. 3, 2. Encore, allez, hop, hop, hop. Toujours en 3 et on rentre toujours le ventre. La même, allez, 3, 2. On repart sur un temps. Et 8. Allez, engage, pince. Souffle, emmène les haltères, encore deux fois, ha. On va reprendre trois petits, 3, 2, encore, souffle, souffle, inspire, allez toujours, 3, 2, encore, toujours en 3, 3, 2, inspire, souffle, pince, pince. Encore. Allez, rebondissez sur la taille. Écrasez bien les côtés. Allez, un temps. Et 8, 7. Souffle. Souffle. Encore 4 et il vous restera une série. Encore deux fois. Et on termine petit. Restez. Reste. Reste. Allez, rebondissez au niveau de la taille. Allongez ici. Posez les haltères au niveau de la taille aussi. Allez, gainez toujours. Et 4, 3, 2, on revient. On change de main. Pliez toujours, gainez. On repart. Et inspire. Allez, 4. Visez le genou sans dévisser les hanches. Et on enchaîne. 3 petits. 3, 2. Encore. 3, 2. Toujours. Souffle, souffle. Encore une fois, 3. On va garder les 3 petits. On garde le même tempo. Pince, pince, pince. Encore. Allez, emmène les haltères. Inspire, souffle, souffle. Encore une fois. On repart sur un temps. Et 8, 7, souffle. Encore 4, 4, 3. Gainez bien. 3 petits, reprends, pince, pince, pince et souffle. Allez, toujours, 3, 2, allez, courage, on continue, 3, toujours en 3, la même, allez, 3, 2, inspire, allez, pince, 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 toujours, 3, 2, encore une fois, hop, il reste 2 séries, on part sur un temps, on fait 8, et 8, 7, souffle, souffle, allez, 4, gardez le maintien au niveau du dos, encore, et petit, on reste en bas, pince, pince, allez, reste, reste, souffle, 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 plus que 8, 8, 7, et 4, 3, 2, et on relâche. Allez, on pose les haltères. On va passer sur le tapis, sur le dos. On fera un petit peu de gainage à la fin. Allez, on s'installe. On va bien dérouler son dos. Petit à petit. Relevez de buste, abdos du haut. On n'oubliera pas d'engager le nombril. Et je vais tout le temps vous le rappeler. Allez, pied largeur bassin. Ou genou poitrine. Si on a mal au dos, on fait genou poitrine. Main derrière la tête. Relevez de buste.
en deux temps. Et lève, lève et retiens la descente. Souffle, souffle et inspire. Allez, tu dégages le menton, vous ouvrez les coudes, vous regardez là-haut et vous rentrez vent très fort à la montée. Encore. Souffle, souffle, inspire, si ça va, tu ne poses pas la tête. Allez, encore et lève. Lève, reviens. Encore. Lève, lève, replace. Encore. Souffle, souffle, inspire. Allez, là, engage en même temps. Sentez vraiment que les lombaires, voilà, s'enfonce dans le sol, vous placez l'empreinte de votre dos contre le tapis. Accélère, allez, en haut, en bas, souffle, inspire, souffle, souffle, contracte. Encore deux fois, hop. Trois petits là-haut, et trois, deux, et replace encore. Allez, trois, deux, souffle, inspire, souffle, souffle, souffle. Allez, sans forcer sur la tête, faites attention à votre cou. Encore. 3, 2. Allez, contracte, contracte, contracte. Encore. 3, 2. Encore une fois, souffle. Un temps, c'est reparti. Et 8, 7. Inspire. 4 fois encore. 4, 3, 2. Allez, petit là-haut et lève, lève, lève. Sans forcer sur la tête, toujours bien dégagé au niveau du visage, des coudes, aspirez votre nombril. Souffle, souffle, 4, 3, on repart sur 1. Et en bas, en haut, en bas, en haut. Et j'engage mon nombril et je souffle, inspire. Voilà, engagez bien le centre en même temps. Trois petits, restez. 3, 2. Replace encore. 3, 2. Encore. Souffle, souffle, souffle. Encore une fois, il ne vous reste qu'une seule série, que des petits non-stop. Et lève, lève, lève. Lève encore, contracte. Contracte, souffle, souffle. 8, 7. Les quatre derniers. 4, 3, 2. Et vous reposez. Vous allez vous grandir, les bras loin derrière. On inspire bien. Et vous relâchez. Bien, vous placez les mains soit sous les fesses, soit bras le long du corps. Ou on peut reprendre main vers la tête. Abdos du bas en relevé de bassin. Jambes vers le plafond. On croise les chevilles. Forcément, on rentre le ventre. Et on part sur un temps vers le plafond. Pousse sur le plan. Vertical. Donc vous n'enroulez pas. Vous allez vraiment vers le plafond et souffle. Donc votre amplitude, elle est petite. Encore. 4, 3. Voilà, vraiment, gainez très fort. Créez un levier. Encore. Pousse le sol avec le doigt, la force des abdos. Souffle. Essayez de ne pas vous crisper au niveau des épaules. 4, 3. Voilà, soit main sous le bassin, main vers la tête, c'est comme on veut. Accélère et lève et lève et souffle, souffle, ha, ha, ha. Allez, encore 8, 7, attention, 4, 3, change le croisement des chevilles, reprends doucement, en haut, en bas, en haut, en bas, souffle, souffle, 4, 3, 2, encore un, accélère et lève. Lève. Allez, souffle. Souffle. Et rentrez bien le ventre. 8, 7. Attention. 4, 3. Pieds joints, pieds flex. Un temps et pousse. Donc là, c'est comme si vous aviez une plateforme à pousser. Alors, pieds flex et on peut plier un tout petit peu les genoux si on est raide. Et toujours l'idée de rentrer le ventre, aller chercher les muscles profonds. Accélère et lève. 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 Lève encore. Allez, les pieds flex bien gainés. Encore 8 fois. 8, 7. On enchaîne. Dans 4, 3. Genoux, poitrine, on enroule et hop. Allez, toujours abdos du bas, mais on enroule les bassins. Donc, on va croiser les chevilles. On est genoux, poitrine. On est sur un mouvement beaucoup plus rond. On va en arrière. Et attention au dos. Enroule,
déroule. Attention à ne pas claquer le dos au retour. On ne posera pas les pieds au retour d'ailleurs. Toujours les mêmes solutions. Soit bras le long du corps. Plus facile, main sous les fesses pour faire comme un petit départ. Et puis plus difficile, retrouver les abdos du haut avec le relevé de buste qui sera plutôt statique. Donc préservez toutefois votre cou pour le prochain mouvement, ce qu'on va faire les obliques après. Souffle. Encore 8. Donc là, par rapport au relevé de bassin qu'on a fait juste avant, l'enrouler, eh bien on va un petit peu plus loin, on décolle beaucoup plus les fesses. Attention à la colonne. Gainez toujours 3 petits. 3, 2, replace. 3, 2. Attention quand on fait les petits à ne pas lever les épaules avec. Hein. Voilà, des petits détails mais qui comptent. Allez, toujours 3, 2 et replace. 3, 2. Encore. Souffle, souffle, souffle. Voilà, attention à la réception au niveau du dos et lombaires. On repart en 1 et 8, 7. Souffle, souffle. Et 4, 3, encore 2 fois. Hop. On reprend 3 petits. 3, 2, et replacez. Souffle, souffle, souffle. Encore. 3, 2. Encore une fois, il vous reste une seule série. On va la faire sur un temps tranquillement. Et 8, 7. Allez, courage. Souffle. Lâche pas le nombril. Encore 4. 3, 2, dernier, vous allez encore allonger les jambes vers le plafond, gardez les chevilles croisées. Si toutefois c'est trop raide, trop dur, vous pouvez rester fléchi. Main vers la tête, on gaine et vous alternez bras et bras vers les pieds en croisant et en soufflant. Donc là on passe aux obliques. Donc là c'est le mouvement ici de base avec l'extension un bras puis l'autre, on garde la main vers la tête. Et les jambes en extension aussi. Les jambes, ça coince, donc du coup vous allez redescendre d'un niveau. Et puis vous allez garder le mouvement alterné sans allonger les bras. Voilà, vous avez des solutions, vous adaptez. Dès que vous engagez à côté, vous souffle et souffle et. Voilà, si ça va au niveau de la tête, on peut allonger un bras puis l'autre. En gardant le nombril bien aspiré, sentez les lombaires qui sont scotchés au sol. Allez, regardez vos pieds. Encore. Allez, hop. On détache bien l'épaule et l'omoplate. 4, 3, 2. Allez, petit turesse. Peu importe le bras que vous allez engager, puisque de toute façon, on fera les deux. 4, 3, 2. On change. 8, 7. Serrez toujours le nombril ici. Hein. Allez chercher les abdos profonds. Changez, restez. 4, 3, 2, changez. Voilà, on va réduire au fur et à mesure. 2, changez. 4, 3, 2, changez. Souffle, souffle. Deux temps de chaque côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, vers le haut. Encore. Souffle. Voilà, si ça ne va pas, vous le faites plus fermé. Et haltère direct, attention à la tête. Ha, ha, souffle, inspire. La tête, ça passe pas, c'est un peu raide. Vous gardez les deux jambes plus fort. 8, 7, allez, ha, c'est pas la dernière série. 4, 3, et petit resté. 4, 3, 2, on change. Et 4, 3, 2, on change. Et 4, 3, on change. Souffle, il reste deux séries. Deux temps de chaque côté. 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2. Souffle. Toujours par deux. 1, 2. Allez, respire bien. La dernière, on alterne. Et alterne, alterne. Souffle, inspire. Ha, ha. Allez, plus que 8. 8, 7. Et 4 derniers. 4, 3, 2. Et relâchez, posez les pieds au sol. Grandissez-vous, les bras loin derrière. On inspire bien. On souffle, on relâche. Attrapez vos genoux. Et effectuez une bascule pour arriver assis.
Bien. Allez, gainage pour terminer. Donc, planche tout simplement. Assez courte avec un étirement dos entre deux. Allez, avant-bras au sol, pieds parallèles, ancrez les orteils, vous rentrez le ventre. 3, 2, 1. Allonge les jambes. Pousse les talons vers le mur derrière. Serre les fesses, serre le nombril. Regardez vos mains. Évitez de regarder vos pieds. Si ça ne va pas, c'est trop dur. Posez les genoux. Croisez les chevilles. Mais pas de fesses en l'air. On reste engagé. Respirez bien. Allez, courage, c'est très court. Encore 8 ans. 8, 7. Bien gainé partout. Allez, 4, 3, 2. Posez les genoux, pointe. Allez, vous asseoir sur les talons. Allongez les bras. Relâchez la tête, étirez dos et les fessiers. Avancez vos épaules. 3, 2, 1. Deuxième plan. Serrez bien abdos, fessiers. Il faut engager. Il faut aller vraiment chercher la contraction. Respirez bien. Poussez les talons. Attention à ne pas avoir les épaules en avant. Hein, vous êtes dans l'axe ici, respirez. Allez, on tient encore 8 temps. 8, 7, 4 temps, 4, 3, 2, pause, genoux pointe. Même étirement dos. Dernière planche. Allez, la même. 3, 2, 1, gainé. Serrez. Résistez, respirez. Encore 8 temps, 8, 7, 4 temps, 4, 3, 2, et pause. Allez, on s'étire, on peut donc allonger, respirer, récupérer. Placez-vous en position de chat. Donc, les bras parallèles, les genoux ici aussi, dans l'axe des hanches et les bras dans l'axe des épaules. Vous inspirez dos plat et dos rond, vous soufflez. Donc, vous basculez le bassin, vous serrez abdos fessiers quand même et vous regardez votre nombril. Étirez votre dos. Encore dos plat, on inspire, dos rond, soufflez. Et revenez donc là, ancrez les orteils, faites une marche arrière et déroulez votre dos vers terre, après la tête, la tête en dernier. Et on termine comme au début du cours, à l'écart fléchi, on allonge la taille. On change de côté. Allez, première grande inspiration, relâchez une seconde fois, inspirez. Grandissez et enfin vous soufflez. J'espère que vous avez bien travaillé à la maison et pensez à vous hydrater. À la prochaine.